contact avec très très fort. Est-ce que peuple de Christ, peuple de Christ, vous êtes là, passionnés, prêts à vivre et à expérimenter quelque chose de glorieux depuis ce matin? Est-ce que vous pouvez nous lever dans sa présence? Je crois que nous sommes assoiffés, je crois que nous avons une forte attente. Pourrons le ressentir, pourrons le percevoir. Est-ce que tu peux faire clamer, faire la comme cela? Thank you.
acclamer. Acclame, 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 acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Je veux crier des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie dans la présence du roi des rois et Mosaïa? Je veux crier, je veux crier. Oui, je veux sauter. Est-ce que tu peux encore sauter? Hey, hey. Je veux sauter, je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter, je veux sauter. Est-ce que tu peux sauter encore? Je veux sauter, je veux sauter. Je veux sauter. Je veux acclamer. Acclame le roi des rois. Et acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame. Je veux acclamer. Je veux acclamer le roi. Je veux acclamer le roi. Oui, je veux danser. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Je ne te vois pas danser. Je veux danser, je veux danser. Je veux l'acclamer. Acclame, acclame, acclame. Acclame encore le roi. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. On veut dire encore. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu veux le dire avec nous ce matin? Qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Tu peux encore acclamer. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Il est le roi. Tu peux acclamer encore. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Hey, hey, hey. Seigneur des seigneurs. Il est le roi. Tu peux encore acclamer. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh. Il est le roi. Oh, oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Hey.
le ciel. Encore une autre dimension dans ta présence encore. Alors tu veux encore élever ta voix et dire: Seigneur, je suis venu encore pour que tu puisses me remplir, que ce feu ne puisse pas s'éteindre, et je désire une autre dimension de prière, une autre dimension dans ta présence. Tu peux commencer à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Dis: Seigneur, je désire une autre dimension, Yahweh. Je désire une autre dimension. Et les babas, tu peux lever ta voix, les Masaya, les mâles et les bosses, la main et les bosses, les bosses, et les mâles et les bosses. Et la baba, ça y a la, ça y a la. En moi devienne papa, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne.
Choix de Dieu. You.
Le ciel est ouvert.
ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert. 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 Yeah, 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 yeah. Dans il descend, la
estéril ba kana sole faradi de sale baidera par sa puissance. Et Dieu est en train de le faire. Les maladies. Il y a quelque chose qui se passe. Les stériles portés. Par sa puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire? Je vois Dieu le faire. Les maladies. Les maladies. Oh my God. Des stériles portes. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Shibarana mananaria. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Est-ce qu'un adorateur peut élever son cœur jusqu'au trône de Dieu? Demandez d'avoir la déchi. Shayabaraba. Oh, que Dieu bénisse celui qui est en train de comprendre. Shayaba. Et j'aimerais qu'on termine avec ce chant. Dans l'assemblée des saints,
sans la sangle de ça, à soif et je me chasse. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. L'assemblée de ça a soif et je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Sur moi je suis. Je suis disposé. Je suis disposé. Ah, assoiffé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. 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 Son onction descend sur moi. Que son onction descend sur moi. Apôtre. Alors que nous sommes en train de prier, J'étais en train de voir cette jeune fille écrire un livre. Et en fait, c'était un livre qui avait une connotation autobiographique. Elle était en train comme de raconter des faits qui lui sont arrivés. Je ne sais pas, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Mais il y a comme une période très difficile de ta vie où tu as eu à subir des choses qui auraient pu te détruire, qui auraient pu mettre un terme à ton histoire. Et alors que je suis en train de te voir, je suis en train de te voir écrire un livre et organiser comme, je vois comme le vernissage de ce livre et des gens affluer à grand nombre pour pouvoir venir recevoir ce livre. Et Dieu est en train de me laisser savoir qu'il y a une catégorie de personnes à qui tu dois t'adresser. Il y a un langage que des gens doivent entendre de ta part. Et l'onction que le Seigneur envoie n'est pas simplement une onction qui nous fait tomber, mais surtout qui nous relève. Et je vois un grand travail que Dieu fait. Il a déjà commencé à faire. Je ne sais pas si ça fait sens. Je sais, c'est ton pasteur, peut-être qu'il sait de quoi je parle. Je ne sais pas si ça fait sens. Mais en tout cas, je suis en train de voir comme des briques qui sont en train d'être mises et un mur qui est en train d'être construit. Et j'entends reconstruction. J'entends reconstruction. J'entends reconstruction. Les amis, la gloire est dans la maison. Je peux? Est-ce que je peux prier pour toi? Seigneur, je te prie pour cette jeune fille. Depuis le moment où j'ai posé mes pieds sur cette estrade, tu n'as pas cessé de m'interpeller par rapport à elle. Je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais ce que je sais, c'est que l'œuvre que tu as commencée dans sa vie, tu vas l'achever. Merci Seigneur, parce qu'elle est un signe. Elle est un signe dans sa génération. Et j'entends Dieu me dire qu'il te donne l'assurance qu'il te faut pour faire ce dont tu as besoin. Parce que il y avait comme une carapace que tout ça avait créée. Je suis en train de voir Dieu briser cette carapace et te donner de t'exprimer
dans toutes tes potentialités. Si je suis prophète de Dieu, je déclare, décrète et prophétise qu'il y aura un avant et un après la 4-2022 pour toi. Je t'introduis dans une nouvelle saison. Et la grâce de Dieu est sur toi. Et j'entends comme une nouvelle onction qui tombe sur toi. Ça va arriver très fortement et tu ne pourras même pas le ressentir. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'aider parce qu'à trois, il y a une forte onction qui va descendre sur elle. Et cette onction va être le sceau, le cachet de ce que Dieu a déversé sur elle. Un, shadadabababababa. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains, ferme les yeux. Une onction forte. Et cette onction va venir aussi avec une forte inspiration. Tu vas dormir et Dieu va te révéler des chants. Et ces chants-là vont être une puissante bénédiction pour l'Église. Un homme ne donne que ce qu'il a. Si Dieu, par sa grâce, m'emmène dans cette dimension, je prie afin que, sous l'onction de l'apôtre, cette grâce descende sur toi. Un. Deux. Reçois, 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 reçois. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sur moi et je suis. Le bénir prophète. Est-ce qu'on peut acclamer bien le prophète Jonathan? Alléluia. Nous croyons que c'est une bénédiction pour cette génération. Que Dieu l'amène encore plus loin. Que Dieu l'amène encore de gloire en gloire. D'excellence en excellence. Que Dieu bénisse son ministère au travers le chant, au travers la parole. Que Dieu mette sa main sur sa famille. Élevons nos voix et prions pour le prophète. Alléluia. Père de gloire, nous voici devant le trône de ta grâce. Nous recommandons, Éternel, ton oint devant toi. Nous prions, Éternel, que ta main puissante soit sur lui. Seigneur, nous sécurisons sa destinée. Nous déclarons et proclamons tout ce que tu as résolu de faire, tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Éternel, que rien ne va le stopper, rien ne va l'arrêter. Tout plan, toute manigance qui se lève contre lui, Seigneur,
l'époque n'a pas encore été, éternel notre Dieu. Que les nations répondent, éternel Seigneur, qu'ils se répandent dans les nations, et que les nations, Seigneur, soient au bénéfice de sa grâce, de son don, de son ministère, oh Dieu. Nous bénissons son épouse, nous bénissons ses enfants. Nous prions, éternel, que ta grâce leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour ses collaborateurs, mais les hommes et les femmes, ouais, des personnes capables, oh Dieu de gloire, de porter la charge avec lui. Garde son cœur, oh Dieu, et qu'il aille jusqu'au bout. Qu'il achève sa course comme Paul a dit, j'ai achevé la course. Et nous prions que ça soit éternel son partage. Merci, oh Dieu de gloire, pour ce don. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise amen trois fois avec moi. Amen, amen. Le 9 septembre à MLK. Alléluia. Amen. Le 9 septembre à MLK, il y a son concert. On vous encourage à y aller. Voyez, la présence de Dieu est là et c'est magnifique. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Dieu va nous faire du bien. Nous avons aussi notre servante qui est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut? Cassica qui est là. Est-ce qu'on peut bien applaudir? On peut honorer le don merveilleux. Tout à l'heure, elle va nous bénir. Et nous sommes très reconnaissants de pouvoir t'accueillir au milieu de nous. Alors nous allons passer à un moment important de la parole. C'est notre papa. C'est un patriarche. Si vous allez au Congo, à Pointe-Noire, tout le monde le connaît. Lorsque vous demandez à quelqu'un, vous allez prier, oh, je vais prier chez l'apôtre Dadier, c'est mon papa, amen. Ça fait des années qu'il est avec nous, c'est un exemple d'intégrité, un exemple de foi. Dans la vie chrétienne, il faut être et durer. Il y a des étoiles filantes, mais il y en a qui demeurent. Et c'est un exemple par excellence. Et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir le recevoir aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vais demander au service multimédia qu'il puisse envoyer la vidéo. Notre prochain orateur est apôtre, conférencier, formateur, mentor et enseignant de renommée internationale. Il est marié à Maman Charlie, pasteur avec qui ils ont 5 merveilleux enfants. Il est l'un des maillons du réveil au Congo-Brazzaville et cofondateur des assemblées chrétiennes. Il exerce son ministère depuis plus de 30 ans, dès que Dieu l'a sauvé à l'âge de 19 ans. Chantre et compositeur musical, il détient à son actif de nombreuses œuvres et supports. Il est bâtisseur de l'église ACPS à Pointe-Noire, promoteur de l'orphelinat à VO Monde. Il sillonne l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les États-Unis pour prêcher la parole de Dieu. Peuple de Dieu, acclamons le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Bernard Dadier, Bitsam Bila. Alléluia, est-ce qu'on peut se lever et accueillir l'apôtre Dadier? Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Dieu est bon? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je suis reconnaissant à Dieu pour la faveur qu'il me donne ce soir, comme mes prédécesseurs l'ont fait, d'apporter ma modeste contribution à cette conférence Accélération divine 2022. Ça serait injuste pour moi de prendre la parole ici, même si mes prédécesseurs en l'ont fait, sans dire un grand merci non seulement à Dieu, mais de pouvoir saluer chaleureusement cet homme, l'apôtre Oscar Ewolo et son épouse, pasteur Audrey, pour leur détermination, pour leur consécration, pour leur loyauté, et pour leur fermeté dans les choses du Seigneur. J'aimerais que nous puissions les apprécier, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour son serviteur et son épouse? Alléluia. Merci apôtre. C'est vraiment une grande joie que de pouvoir travailler ensemble selon les grâces que Dieu nous donne. Je sais que je suis venu plusieurs fois ici dans cette ville et particulièrement dans cette église. Mais à chaque fois que l'occasion m'est offerte, je dis toujours, ce n'est pas un acquis. Je viens parce que Dieu m'a fait grâce. Et encore merci pour cette main d'association. Merci aussi à tous les orateurs avec lesquels nous travaillons, notamment le couple Atoms, pasteur Dorothée et prophète Jonathan. Quelle joie encore de voir cette dynamique des jeunes enflammer encore d'autres jeunes comme nous le désirons encore. Et merci aussi à l'apôtre Douglas, que j'ai vu il y a très longtemps, et Dieu permet encore que nous pouvons partager ces instants ensemble. Comme vous le savez, nous sommes autour d'un thème très important. Le feu ne s'éteindra point. Et j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, nous allons partir dans le livre de Lévitique. Lévitique, le chapitre 6. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 8. Et nous allons lire jusqu'au verset 13. Je vais répondre à une question. Comment maintenir le feu allumé sur l'autel? Qu'est-ce que nous devons faire pour que le feu allumé ne s'éteigne pas? Lévitique chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel. Et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Parole du Seigneur. Nous allons regarder avec vous qu'est-ce que nous devons faire. Quelles sont les clés? Quels sont les moyens de manière à ce que le feu allumé sur l'autel ne se teigne point? Quand je regarde ce texte, la première chose que j'ai notée, la volonté de Dieu est que le feu ne se teigne point. Ça, c'est sa volonté. Et il a donné instruction à son serviteur Moïse pour que Aaron et ses fils le sachent. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Mais quelles sont les choses que nous devons faire pour que le feu reste allumé sur l'autel? Il y a plusieurs choses, bien sûr, qui peuvent être faites. J'en ai sélectionné 5 que je vais présenter, mais nous examinerons 3 tout simplement.
et je vais présenter les 5 choses que nous devrions faire, que nous avons besoin de connaître. Et nous allons voir ensemble avec vous ce que chaque chose représente pour que le feu allumé sur l'autel ne se teigne point. 5 choses. Dites après moi 5 choses. La première chose, pour que le feu allumé sur l'autel ne se teigne point, il faut des autels disponibles. Dites après moi, il faut des autels disponibles. La deuxième chose, pour que le feu allumé sur l'autel ne se teigne point, il faut des holocaustes bien disposés. Dites après moi, il faut des holocaustes bien disposés. Merci. La troisième chose, pour que le feu allumé sur l'autel ne se teigne point, il faut du feu authentique. Dites après moi, il faut du feu authentique. L'avant-dernière chose, la quatrième, pour que le feu allumé sur l'autel ne se teigne point, il faut du bois en permanence. Dites après moi, il faut du bois en permanence. Et enfin, la dernière chose, pour que le feu allumé sur l'autel ne se teigne point, il faut des allumeurs de feu. Dites après moi, il faut des allumeurs de feu. Très bien. Voilà 5 choses que je me propose de partager avec vous. Mais comme je l'ai promis, je vais regarder avec vous 3 choses. Et les 2 autres choses, nous allons les voir plus tard. Est-ce que vous pouvez répéter après moi les 5 choses à faire pour que le feu de Dieu ne s'allume pas? Essayez de les citer dans l'ordre tel que je vous l'ai communiqué. Première chose. Comment? Il faut des autels disponibles. Très bien. Deuxième chose. Il faut des holocaustes bien disposés. Très bien. Troisième chose. Il faut du feu authentique. Quatrième chose. Comment? Il faut du bois en permanence. Et cinquième chose. Il faut des allumeurs de feu. Merci. C'est sûr. C'était ma première réaction au début. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Que ces mots-là ne vous influencent pas. On est dans un endroit où nous avons besoin d'être influencés par l'Esprit de Dieu. Mais aucun mot, aucune expression ne doit vous influencer. Les choses sont tellement simples que tout à l'heure, vous allez vous rendre compte, mais c'était aussi simple que cela. Mais j'ai préféré prendre ces termes que j'ai trouvés dans ce texte parce que Dieu a manifesté sa volonté pour que le feu allumé sur l'autel ne se teigne point. Alors nous allons regarder avec vous la première chose. Le désir de Dieu est que le feu reste allumé. Le désir de Dieu est que ce feu qui était sur l'autel ne se teigne pas. Mais pour que le feu ne se teigne pas, la toute première chose, il fallait bien que l'autel soit dressé. Parce que par rapport à ce texte, on ne peut pas parler du feu s'il n'y a pas un autel. Donc l'une des premières conditions, il fallait bien que l'autel soit dressé. Et de manière générale, c'est quoi un autel? Nous ne parlons pas de l'autel comme lieu d'hébergement. Nous parlons de l'autel comme un espace aménagé, comme une table en bois ou en pierre dressée et qui sert de sacrifice pour Dieu. L'autel peut aussi être défini comme un endroit dédié à Dieu, soit pour la prière, soit pour l'adoration, soit pour le culte. Et quand nous allons dans l'Ancien Testament, la toute première personne qui a dressé un autel à Dieu, c'est Noé. Si vous allez dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre
8, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Après le déluge, lorsque Noé est sorti de l'arche, la première des choses qu'il a eu à faire, il a dressé un autel à Dieu. Et cet autel pour Noé marquait sa reconnaissance envers Dieu. Et tout le long de l'Ancien Testament, Noé n'a pas été la seule personne à avoir dressé un autel à Dieu. Abraham aussi a eu à dresser un autel. Jacob aussi, dans son parcours avec Dieu, a eu à dresser un autel. Et dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'autel, comme je l'ai dit, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de communion. Noé avait expérimenté cela. Abraham a expérimenté cela. Jacob aussi a expérimenté cela. Et des siècles plus tard, lorsque nous allons dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, lorsque Salomon avait fini de bâtir la maison de l'Éternel, il a organisé une grande cérémonie pour que l'édifice soit dédié à Dieu. Et là aussi, nous avons vu, pendant cette cérémonie de dédicace, la présence de Dieu est descendue sur la maison qui avait été dédiée à l'Éternel. Donc tout le long de l'Ancien Testament, le symbole de l'autel, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de communion. C'est un lieu de contact. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Plusieurs années plus tard, lorsque Jésus est venu, il est venu accomplir une œuvre grandiose. Jésus est allé à la croix. Et on peut se poser la question, mais pourquoi dans l'Ancien Testament, l'Holocauste devrait être présenté à Dieu? Ce n'était pas des fantaisies. La raison pour laquelle l'Holocauste était présenté à Dieu, c'est pour certains péchés commis par le peuple de manière involontaire. Et quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, il est venu accomplir l'œuvre de Dieu. Après que Jésus soit mort, après que Jésus soit ressuscité, l'autel de l'Ancien Testament a pris une autre dimension. Dans l'Ancien Testament, on avait besoin de dresser une table, soit en bois, soit en pierre. On avait besoin d'aménager un espace. David a eu l'idée, au-delà de l'autel, de bâtir un édifice à l'Éternel. Mais Dieu lui avait dit, c'était Salomon, son fils, qui devrait le faire. Et quand Salomon l'a fait, nous avons vu la gloire de Dieu qui est descendue sur la maison. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu accomplir l'œuvre de la croix, il a amené l'autel de l'Ancien Testament dans une autre dimension. Dans l'Ancien Testament, les autels étaient bâtis à des endroits spécifiques. Les autels étaient bâtis dans des circonstances données. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption, la Bible nous révèle qu'il a fait désormais de nous des autels de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu. Mais la première chose
que j'aimerais partager avec vous. Nous sommes ceux du moins qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes devenus les autels de Dieu. Alléluia. Je suis un autel de Dieu. Ça veut dire, ça va peut-être vous étonner. Si je suis un autel de Dieu, je ne demande pas le feu. Si je suis un autel de Dieu, je ne demande pas le feu. L'autel ne demandait pas l'holocauste. Quand l'autel était dressé, l'autel attirait le feu. Ça veut dire quoi? Si Jésus a fait de moi le temple de Dieu, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, si je suis devenu enfant de Dieu, le feu de Dieu est en moi. Si vous êtes l'autel de Dieu, j'aimerais vous dire, le feu de Dieu est en vous. Parce que, en fait, c'est une révélation. C'est ça qui change entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait concevoir, il fallait fabriquer, il fallait ériger l'autel. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a voulu lui-même faire l'autel. Parce que les autels faits par les hommes, quelles que soient les conditions, il y a des imperfections. Mais quand c'est fait par Dieu, c'est différent. Je suis un autel de Dieu. Que le diable soit d'accord ou pas, je suis un autel de Dieu. Vous êtes un autel de Dieu. Si le Seigneur est en toi, le feu est en toi. Si le Seigneur est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Mais la condition, le Seigneur a besoin des autels disponibles. Et si nous voulons voir dans cette ville, si nous voulons voir dans ce pays, si nous voulons voir dans ces temps de la fin, le feu de Dieu s'étendre et ne pas s'éteindre, il faut des autels disponibles. Et ces autels, c'est d'abord vous, c'est moi. La seule chose que le diable peut faire pour éteindre l'autel, le feu que je suis, c'est que je meurs. Aussi longtemps que je vis, le feu est en moi. Aussi longtemps que je marche, le feu est en moi. Aussi longtemps que je prie, le feu est en moi. Aussi longtemps que j'adore Dieu, le feu est en moi. Aussi longtemps que je lis la Bible, le feu est en moi. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est en moi, le feu est en moi. Donc aujourd'hui, moi, Dadier, je sais, le feu de Dieu est en moi. J'en suis conscient. Je n'ai même pas besoin de sentir. Si j'essaie de sentir, donc je doute de ce que le feu est en moi. Je ne sais pas si vous, quand vous avez Jésus, vous le sentez. On n'a pas besoin de sentir Jésus. On a besoin de croire qu'il est en nous. Je suis en train de dire à une personne, tu es l'autel de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a des jaloux. C'est pour cette raison que tu es combattu. C'est pour cette raison qu'on ne te comprend pas. Parce que tu es l'autel de Dieu. Tu loges la puissance de Dieu. Tu loges la présence de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Comprenez les choses le plus simplement possible. En fait, je n'ai pas désiré d'être un autel. Je rejoins le prophète. Je suis le choix
de Dieu. Je suis l'autel de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Il m'a choisi. La seule chose que j'ai fait, j'ai simplement cru. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, automatiquement tu deviens l'autel de Dieu. Maintenant, pour que le feu continue à brûler, il faut être comment? Très bien. Parce qu'on peut être un autel, mais on n'est pas disponible. On peut être une épouse, mais on n'est pas disponible. On peut être un époux, mais on n'est pas disponible. On peut être un travailleur, mais on n'est pas disponible. On peut être un chantre, mais on n'est pas disponible. On peut être un pasteur, mais on n'est pas disponible. Je veux être un autel disponible. Alléluia, alléluia. Je suis un autel disponible. Et Christ, refuge pour Christ, selon l'apôtre Paul, non seulement moi, Daddy, je suis un autel, non seulement l'apôtre Oscar est un autel, non seulement l'apôtre Douglas est un autel, mais Daddy, Oscar, Douglas constituent aussi un autel de Dieu. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. C'est pour cette raison, si nous voulons que le feu de Dieu ne s'éteigne pas, non seulement il faut des autels de manière individuelle, disponibles, mais nous devions multiplier l'implantation des églises. Parce qu'il y a plusieurs dimensions des autels. En tant qu'individu, je suis un autel. Mais l'apôtre Paul dit, nous sommes devenus une habitation de Dieu. Et donc, tel que nous sommes rassemblés ici, nous constituons un autel de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans les temps de la fin, de plus en plus, l'église va être combattue. Parce que dans le monde de ténèbres, les gens reconnaissent l'autorité de l'église. Ce que l'église est capable de faire. Et je suis tout à fait d'accord tout à l'heure sur cette parole prophétique que Dieu a donnée sur cette église. Et je peux même aller plus loin. Aussi dure que soit la persécution, tant en France, tant en Europe, tant qu'en Asie, tant qu'en Afrique, tant qu'aux États-Unis d'Amérique, je reconnais une parole que Jésus a donnée. Il a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est pour cette raison, nous devrions travailler pour que véritablement l'église s'étende. Parce que pour conserver le feu, pour que le feu embrase la forêt, on n'a pas besoin d'un grand feu, mais on a besoin de petits feux. Mais placé à chaque espace, dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque arrondissement. Et c'est de cette manière que nous allons embraser le pays. Parce que le feu qui va embraser la nation ne va pas partir d'un seul côté. Nous, on peut préparer la stratégie que ça part d'ici. Mais Dieu allumera et au nord, et au sud, et à l'est, et à l'ouest, et dans le midi. Et je suis en train de voir cette action de Dieu. C'est pour cette raison, le premier autel réalisé, vous êtes l'autel où le feu de Dieu brûle. Et la seule chose que Dieu vous demande, quelles que soient vos occupations, on ne vous demande pas de ne plus travailler, on ne vous demande pas de ne plus faire les cours, les formations, on ne vous demande plus de ne plus être homme ou femme d'affaires, quel que soit ce que tu es. Mais pour la cause de Dieu, dis-toi, je suis un autel disponible. Amen. Pour que le feu de Dieu ne se teigne pas, il faut des autels disponibles. On ne pouvait pas voir le feu, selon Lévitique 6, tant qu'un autel n'avait pas été dressé. La deuxième chose,
pour que le feu de Dieu ne s'éteigne pas, il faut des holocaustes. C'est quoi un holocauste? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait 5 types de sacrifices. Il y a un sacrifice qu'on appelait l'holocauste. Il y avait un sacrifice végétal. Il y avait un sacrifice de communion. Il y avait un sacrifice d'expiation. Et il y avait un sacrifice de culpabilité. Et sur les 5 sacrifices, il y en avait 3 qui étaient volontaires. Et les 2 autres étaient obligatoires. Mais de tous ces sacrifices, celui qui venait en tête, c'est l'holocauste. Alors, quelle était la particularité de l'holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice dans lequel la victime était consumée entièrement par le feu. Contrairement à tous les autres sacrifices, contrairement à toutes les autres offrandes, lorsqu'il était question de l'holocauste, il fallait prendre ce bélier, il fallait prendre cet animal, le mettre sur un foyer, sur l'autel, et il devrait brûler toute la nuit. La Bible dit entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'holocauste était brûlé entièrement, pendant toute la nuit, la fumée montait. Pendant toute la nuit, l'odeur montait. La chair n'était pas consumée par Dieu. Mais ce que Dieu recevait, c'était juste l'odeur. Il n'y a que 2 choses dans cette offrande que Dieu recevait. La première, c'était l'odeur. La deuxième chose, c'était la fumée. Donc, l'image de l'holocauste, s'il vous plaît, c'est l'image de la consécration. Si le feu de Dieu doit rester allumé sur l'autel, nous devrions avoir des gens consacrés à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, le verset 1er, l'apôtre Paul dit ceci aux Romains. J'aimerais que nous puissions aller regarder ce texte, s'il vous plaît. Allons dans Romains. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'image de l'holocauste, c'est l'image de la consécration. Et dans la Bible, il y a plusieurs types de consécration. La première catégorie des consacrés, c'est les personnes que Dieu consacre lui-même. Quand vous prenez l'exemple de Jérémie, au chapitre 1, versets 4 à 5, Dieu dit à Jérémie qu'il avait été consacré depuis le sein de sa mère. Pour que le feu ne s'éteigne pas, on a besoin de cette catégorie de personnes consacrées directement par Dieu. La deuxième catégorie de personnes qu'on trouve dans la Bible consacrées à Dieu, c'était les personnes qui étaient consacrées soit par les serviteurs de Dieu, par une autorité, soit par leurs parents. Et c'est le cas de Samuel. Samuel ne s'était pas levé de lui-même pour dire « Je vais servir Dieu ». Le désir, l'intention venait de sa mère. J'aimerais parler à l'église, mes amis. Vous savez, aujourd'hui, pour ceux du moins qui ont des enfants, et même d'ailleurs parmi vous, la plupart des efforts fournis par vos parents, ils vous ont mis à l'école, ce n'est pas pour devenir pasteur. Ils veulent avoir dans la famille des cadres professionnels. On veut avoir des magistrats, on veut avoir des avocats, on veut avoir des médecins, on veut avoir des ingénieurs. Bon, chacun a son goût. Il y en a des parents qui veulent que les enfants deviennent des enseignants, pour d'autres même des chauffeurs, des informaticiens, des banquiers. Mais il y a une chose qui m'étonne.
personne, même en milieu chrétien, on peut faire même un test ce soir. Les enfants que vous avez aujourd'hui, la vision que vous avez de vos enfants, vous les envoyez à l'école. C'est pour qu'ils deviennent des médecins, des magistrats. C'est pour qu'ils deviennent des cadres professionnels. Il y en a d'autres qui voudraient même que ces enfants deviennent des députés, des ministres, chefs d'État. Mais combien parmi nous sont comme la mère de Samuel pour dire à l'Éternel, cet enfant, un appel ou pas, je le consacre à toi. Mes chers amis, si on n'arrive pas à cette dimension, il y a certaines personnes que Dieu consacre lui-même. On n'a pas à choisir, on n'a pas à organiser une élection. Que leur allure, que leur tête vous plaise ou pas, Dieu les a déjà choisis depuis le sein de leur mère. Mais si nous voulons que le feu de Dieu ne s'éteigne pas, il y a des gens que nous devrions consacrer. Beaucoup de nous, parmi les parents, nous devrions agir comme la mère de Samuel. Vous savez que Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes en Israël. Le choix, on peut dire, venait de Dieu. Mais la maman de Samuel a dit, cet enfant, je le consacre à toi. Dans cette conférence, le Seigneur interpelle les hommes et, la femme, et les femmes, même ceux qui ne sont pas encore mariés. Si Dieu vous donne deux enfants et que vous voulez un devienne ingénieur, médecin, l'autre consacrez-le à Dieu. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Vous allez me dire, apôtre Daniel, il faut un appel. Ça, c'est la théologie. Je suis en train de parler du feu. Pour que le feu continue à brûler, il y a des gens que nous devrions consacrer à Dieu. Et le Seigneur est d'accord. Parce que sa volonté est que le feu ne se teigne pas. Et la ruse du diable, c'est de nous amener simplement à avoir des visions du genre, nos enfants doivent devenir des grands hommes d'affaires. Je ne suis pas contre les affaires. L'un des hommes le plus grand que j'ai connu, je n'ai même pas trouvé un homme d'affaires comme ça, ni aux États-Unis, ni en Afrique, ni en Europe. Le plus grand homme d'affaires de toutes les générations. Le multimilliardaire qui n'a jamais trouvé une personne à qui on pourrait le comparer. Il s'appelait Salomon. Il a eu des richesses. Dans ce monde, vous trouverez des hommes qui ont des richesses. Mais ils n'ont pas ce que Salomon avait. Salomon n'avait pas seulement des richesses, il avait ce qu'on appelle la gloire. Salomon avait l'intelligence. Salomon avait la sagesse. Mais quand Salomon regardait la sagesse, quand il regardait les richesses, quand il regardait la gloire, tout cela, il a regardé et sa conclusion, c'est vanité de vanité. Il y a des enfants, s'il vous plaît. On a eu une génération de jeunes dans cette église et dans cette nation. Nous devrions prier que les parents, aussi bien les parents spirituels que les parents biologiques, que nous ayons des hommes courageux qui doivent dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passera dans la vie de cet enfant, mais je le consacre à toi. J'avais 3 mois. D'après l'histoire de ma mère, quand j'ai été présenté dans un temple catholique, le rituel n'est pas comme ce qui se passe dans nos églises. Pour ceux qui sont de cette communauté ou qui viennent de cette communauté, ils savent comment ça se passe lorsqu'un petit enfant a été baptisé. Ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons le baptême d'eau. Mais plusieurs années plus tard, j'ai compris l'acte posé par ma mère. Même si elle était ignorante, le ciel avait approuvé. Parce que je connais d'où je viens. Un jeune homme comme tout le monde. Mais quand je vois là où Dieu m'a tiré, j'ai compris. L'acte posé par ma mère était un acte prophétique. Il y a des gens que nous devrions consacrer à Dieu. Quand je parle de la consécration, je ne suis pas en train de parler d'une grande cérémonie religieuse. Mais des personnes sur lesquelles votre enfant, votre fils, déclarait des paroles du genre, je te consacre à Dieu. Tu peux devenir ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que je veux. Mais ta vie, je l'ai consacrée à Dieu. Et la troisième catégorie de personnes que nous avons besoin pour que le feu de Dieu ne s'éteigne pas, c'est ceux qui se consacrent eux-mêmes.
Parce que quand je parle des personnes qui ont été consacrées par Dieu, plusieurs vont dire, mais apôtre Dadier, nous autres, on ne fait pas partie de cette catégorie. Et quand je parle de la deuxième catégorie de personnes consacrées par les hommes de Dieu ou par leurs parents, beaucoup d'entre vous, vous allez dire, mais apôtre Dadier, mon père et ma mère n'étaient pas des croyants. Si ton père et ta mère n'étaient pas des croyants, ce soir, toi-même, consacre-toi à Dieu. Il y a des gens qui l'ont fait dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, l'église de la Macédoine, c'était l'église la plus pauvre du Nouveau Testament. Lorsque la persécution a sévi l'église de Jérusalem, les apôtres ne voyaient pas la nécessité d'associer l'église de la Macédoine. Mais la Bible dit, dans leur pauvreté profonde, ils se sont d'abord donnés à Dieu. Si nous voulons, bien-aimés, que le feu ne s'éteigne pas, nous devons nous consacrer à Dieu. Trois catégories de personnes. Soit c'est Dieu qui vous consacre, béni soit le Seigneur pour les personnes qui ont été consacrées depuis le sein de leur mère. Deuxième catégorie de personnes, soit vous avez été consacré par vos parents, mais si ni Dieu, ni vos parents, personne ne vous a consacré, ce soir tu peux dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Parce que l'Holocauste, c'est l'image de la consécration. Aussi longtemps que Dieu trouve l'Holocauste, le feu arrivera. Est-ce que quelqu'un comprend? Troisième condition et la dernière pour ce soir. Comment maintenir le feu allumé sur l'autel? Il faut du feu authentique. Dites après moi, du feu authentique. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer sur cet enseignement, moi-même, je me suis demandé, j'aurais dû juste marquer le feu. Mais l'esprit m'a conduit à pousser ma réflexion plus loin. Si nous voulons que le feu continue à brûler sur l'autel, il faut du feu authentique. Pourquoi parler du feu authentique? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la Bible le feu étranger. J'aimerais que nous allions dans Lévitique, s'il vous plaît. Alléluia. Lévitique, le chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Amen. Bien-aimés, si nous voulons que le feu de Dieu continue à brûler sur l'autel, nous avons besoin du feu authentique. Le feu étranger, c'est ce que j'appelle la contrefaçon. Vous savez, quand on parle du feu, hier, l'homme de Dieu nous a donné certaines images et qui sont pratiquement les mêmes. Parce que dans la Bible, le feu symbolise le jugement. Dites après moi le jugement. Le feu symbolise la purification. Dans la Bible, le feu symbolise la présence de Dieu. Le feu symbolise la puissance de Dieu. Le feu symbolise le Saint-Esprit. Mais si nous voulons que le feu continue à être allumé sur l'autel de Dieu, nous avons besoin, s'il vous plaît, du feu authentique. Parce que le temps dans lequel nous sommes, même dans l'église, il y a ce qu'on appelle la contrefaçon. C'est-à-dire des faux miracles, des fausses visions, des fausses prophéties, des fausses sanctions, des faux signes, des fausses révélations. Et malheureusement, nous sommes dans une saison où l'église est bailotée aujourd'hui devant ce feu étranger. Le diable vient dans l'église et il se positionne. Mais pourquoi nous sommes pris
comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Mais parce qu'aujourd'hui, l'Église est dépourvue de la puissance authentique. Il y a une sécheresse dans la maison de Dieu. Quand vous regardez le livre des Actes des apôtres, parfois je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Où sont les signes et les prodiges? Où est l'autorité de Dieu? Où est la puissance de Dieu? Où est l'autorité de Dieu? Nous sommes beaucoup à croire en Dieu, mais on est dépourvu de la puissance de Dieu. S'il vous plaît, le feu, ce n'est pas seulement la présence de Dieu. Je suis tout à fait d'accord, dans ce dernier temps, nous avons besoin d'être transportés dans la présence de Dieu. Combien je serais heureux d'être enlevé comme l'apôtre Paul au troisième ciel. Mais si je monte au troisième ciel, je descends sur terre et j'ai encore de courbatures, il y a un problème. Je préfère rester sur terre avec mon salut et attendre mon départ au ciel. Écoutez-moi s'il vous plaît. À quoi ça va me servir d'avoir les dons de l'esprit, d'avoir la révélation de Dieu, d'avoir la vie éternelle, d'avoir la présence de Dieu, mais je suis dépourvu de la puissance authentique? Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez aujourd'hui, pour terminer s'il vous plaît, ça doit nous amener à une prise de conscience. Je bénis le Seigneur pour cette génération des frères et sœurs que nous avons, qui sont en train de nous aider à chanter, non pas n'importe quelle chanson, mais à chanter ce que j'appelle l'évangile pur. Et tout à l'heure nous avons chanté, les aveugles voient. Combien d'aveugles voient dans nos églises? Les paralytiques marchent. Combien de paralytiques marchent? On n'ose même pas prier pour eux. On ne les invite même pas parce que nous sommes conscients qu'ils ne seront pas guéris. Il y a un problème. Mais je suis venu dire à une personne, Dieu se servira de toi dans cette génération. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, Seigneur, je veux ta puissance. Parce que nous avons une promesse. Et le prophète l'a rappelé tout à l'heure. Gédéon était un petit, le plus petit de sa famille. Mais Dieu lui a dit, je suis avec toi. J'aimerais dire à l'église, s'il vous plaît, si nous voulons que le feu ne s'éteigne pas, ne désirons pas seulement le feu de la présence de Dieu. Dans les Actes des apôtres, la présence de Dieu se manifestait par des guérisons et des miracles. Et j'aimerais encourager notre génération. Commencez à prier pour les miracles. Même si tu n'as jamais vu un mort ressuscité, ose. Tu n'as jamais vu un paralytique se lever, commence, ordonne qu'il se lève. Quand j'étais en train de prier le Seigneur, il m'a dit, cette réunion, c'est une réunion d'affectation. Le fait que nous avons besoin, c'est aussi la puissance. Pas seulement de la parole, mais une puissance où tu dis à un paralytique, lève-toi et marche. Tu dis à un aveugle, recouvre la vue. Avant que je ne vienne ici, il y a une dame qui m'a téléphoné de Brazzaville. Avec son mari, ils ont dépensé autant d'argent pour faire une prestation importante dans une entreprise de la place. Et ça faisait des semaines et des semaines, ils ont attendu le paiement de la facture. Cette dame m'a téléphoné et elle m'a dit, pasteur, je me demande quel problème cette entreprise a avec nous. Est-ce qu'ils nous connaissent ou pas? J'ai dit à cette soeur, quel est le problème? Elle a dit, papa, nous attendons le paiement de cette facture parce qu'elle est importante pour nous. Mais par des sources, vous savez, dans certaines structures, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des sources sûres. Elle m'a dit, par des sources sûres, nous avons appris que cette facture-là ne sera jamais payée. Quand elle a fini sa phrase, et je lui dis, par une source sûre, je t'annonce que cette facture sera payée. Lorsque vous êtes maudit par les paroles, annulez ces paroles par les paroles.
Lorsque vous êtes maudit par les puissances de la magie, annulé par la puissance du feu. Ici, dans ce texte, regardez, ces enfants ont introduit un faux feu. C'est là où j'ai compris. Il y a le feu qui éteint le feu. Il y a le feu qui absorbe le feu. Et je suis venu dire à certaines personnes malades ce soir, ceux qui sont venus malades à cette réunion, problème au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau des intestins, au niveau du foie, au niveau de l'estomac, au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau des poumons, au niveau de l'utérus, des cellules musculaires, des articulations. Peut-être que vous avez un cancer. Je peux dire à quelqu'un, la puissance du feu de Dieu neutralise ce mal. Le feu que nous avons besoin, c'est une puissance authentique. Quand vous avez la puissance authentique, bien aimé, les magiciens ne vous font pas peur. Il m'arrive parfois à la télévision ou dans certaines manifestations de réaliser certaines choses que les hommes sont capables de faire. Des magiciens, des personnes qui travaillent avec des puissances des ténèbres. Je ne suis jamais effrayé. Je sais en qui j'ai cru. Je crois de tout mon cœur. Jésus a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le problème, c'est que nous, l'Église, nous négligeons cette puissance. À partir de ce soir, réalise, pour que le feu de Dieu ne s'éteigne pas, la force que tu as reçue, agis selon la force de Dieu. Il y a un pouvoir que Dieu nous a donné. Quand ça ne marche pas, lève-toi. Il y a des moments où on peut pleurer, il y a des moments où on peut se lamenter, mais il y a des moments où tu te lèves, que tu sois à genoux, parle, tu ordonnes. Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Pourquoi? Dans nos sociétés, où est-ce qu'on vote les lois? Quelle est la structure dans nos pays où les voix se votent, les lois? Je vous pose la question. Où est-ce qu'on vote les lois dans nos nations? Dans les assemblées. Vous êtes l'autel de Dieu. Vous avez en vous Dieu le Père. Vous avez en vous le Saint-Esprit. Vous avez en vous Jésus. Et vous-même y compris. Donc quand tu te mets à prier, il y a une assemblée qui est là. Il y a une assemblée qui est là. Et Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. À partir de ce soir, garde dans ton esprit que tu constitues une assemblée avec Dieu. Je voudrais juste terminer en priant que la puissance de Dieu affecte ta vie. Que tu puisses sortir de cette réunion non seulement guéri, mais que tu deviennes porteur de guérison. Que tu sors de cette réunion non seulement restauré, mais porteur de restauration. Que tu obtiennes à cette conférence non seulement une solution, mais que tu deviennes porteur de solution. Et je peux te dire, c'est possible. Parce que le Seigneur m'a dit, le feu, c'est la puissance. Pas seulement une puissance théorique, mais une puissance vraie. Elle est en nous. Et Dieu attend des gens qui croient en cette puissance, qui marchent, qui dorment, qui se réveillent. Et ils sont conscients que je loge en moi la puissance de Dieu. Ma prière, que cette onction de Dieu t'affecte ce soir. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Il y a trois choses que tu dois garder à l'esprit.
trois choses que tu dois garder à l'esprit. Un, je suis un autel disponible. Seigneur, je veux vivre. On a entendu parler des choses. Le temps doit venir où je dois réécrire mon histoire. Ou à une certaine époque, il sera dit que dans cette ville, dans cette nation, a vécu un certain Dadier. Tu deviens un repère. Ce n'est pas seulement les pères, mais quand Dieu affecte ta vie, même le plus petit devient un repère. Personne ne connaissait David avant. Mais quand le Seigneur l'a choisi et lui a fait prendre conscience qu'il était un géant, qu'il était un champion, qu'il était un baobab, qu'il était un bulldozer, David a été connu en Israël. Je suis en train de dire à une personne, le feu, c'est la puissance. Ça ne dépend pas de ta taille, mais ça dépend tout simplement d'une foi pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre les miracles. Les miracles, c'est pas seulement, j'ai été guéri d'un mal de tête, frère. Fais des déclarations que tu n'as jamais faites. Dis des choses concernant ta vie. Dis des choses concernant ta famille. Réalise qu'en toi, il y a une puissance de Dieu qui est là et qui va commencer à se manifester. Quand tu pries avec les gens à la maison, quand tu pries dans un groupe de prière, quand tu pries en ligne au téléphone, libère des paroles et garde à l'esprit, je suis un autel de Dieu. Deuxième chose, je suis un holocauste, c'est-à-dire un consacré. Et si je suis un autel de Dieu, on ne peut pas parler de l'autel sans parler du feu. Et comme je suis un holocauste, j'ai attiré en moi le feu de Dieu. Et je deviens un feu. Quand vous avez le feu, vous devenez un feu. Amen. Inclinons nos cœurs et nos têtes dans la présence de Dieu. Doucement. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Réalise que tu es un autel. Les autels de l'Ancien Testament avaient été conçus par les hommes. La particularité de toi, c'est que tu as été conçu. À ta nouvelle naissance, Jésus a érigé en toi un autel que personne ne peut démolir, à moins que toi-même tu le veuilles. Et le Seigneur m'a dit de te dire que tu es un autel, frère. Et sur cet autel, il y a un parfum qui monte. C'est pour cette raison, offre à Dieu la louange. Offre à Dieu des actions de grâce. Offre à Dieu chaque fois que tu le peux des prières. Parce que tu es un autel de Dieu. La Bible dit, comme a dit l'apôtre Paul, je vous exhorte à offrir vos corps. Tu es un consacré. Et comme tu es un consacré, il y a une puissance de Dieu sur toi. Père, au nom de Jésus, j'aimerais recommander chaque personne présente en ces lieux. Et les gens qui nous suivent en ligne, nous sommes autour d'un thème puissant. Le feu ne s'éteindra point. Je prie ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth que quelque chose émanant de toi envahisse une vie, un cœur, un foyer, une famille. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le feu c'est la présence, mais le feu c'est aussi la puissance. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains? La musique, on peut terminer légèrement s'il vous plaît. Légèrement, la musique. Seigneur, je te présente ces mains à partir d'aujourd'hui. Ce que ces mains toucheront. Je ne suis pas seulement en train de voir la réussite dans les études, dans le travail, dans les affaires, dans le mariage, dans le commerce. Mais je suis en train de voir un dégagement, un déploiement de la puissance de Dieu. Des guérisons, des prodiges, des miracles. Père, je recommande ces bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, ayant réalisé qu'ils constituent une assemblée avec toi, ce qu'ils vont déclarer, le ciel approuvera. Parce que ce qui est lié ici-bas est lié là-haut. Que le feu de Dieu qui s'est allumé en toi ne se taigne plus jamais. Et si tu étais venu malade à cette réunion, malade dans ton corps,
que le mal, que la maladie te quitte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es un autel de Dieu. Tu as besoin d'être en bonne santé. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que le mal te quitte. Que la douleur te quitte. Que le poids te quitte. Si tu étais voué à la mort dans un délai précoce, je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te fasse vivre. Que l'Éternel te donne des jours heureux. Que l'Éternel te protège au nom de Jésus. Pour terminer, dis ceci après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, ici et maintenant, de ma bouche, je confesse et je déclare, je suis un autel de Dieu. Je suis un consacré. Tu m'as donné le feu, c'est-à-dire ta présence, ton autorité, ta puissance. À partir de ce jour, je veux être non seulement porteur du feu, mais également un feu qui ne s'éteindra jamais. Aussi longtemps que tu es en moi, que tu vis en moi, que je suis ton enfant, que je suis à ton service, le feu allumé sur mon autel ne s'éteindra jamais. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire trois fois Amen? Hier, il a donné cette annonce, mais je voudrais juste profiter de l'occasion, apôtre, s'il te plaît. Voilà, il y a ce livre, il y a deux ouvrages, je pense, qui sont exposés. Il y a un livre intitulé « Jésus et les affaires du Père ». Et ce livre aussi peut être utile pour vous. Le titre, c'est « Identité, mission et gestion de l'Église ». C'est bien quand vous êtes dans une église, que vous sachiez c'est quoi une église. Comment une église fonctionne? Comment épouser la vision d'un leader? Comment un peu travailler de manière efficace? Parce que quand on ignore certains principes qui sont tout à fait simples, ça peut créer de la confusion. Ça ne remplace pas la Bible. Mais le contenu de ce livre peut être un encouragement pour toutes les personnes qui veulent avancer avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous trouverez ce livre exposé au niveau de la librairie. Merci. Est-ce que nous pouvons nous lever et bien acclamer le Seigneur pour ces temps, pour ce message? Waouh, waouh, waouh. Est-ce que tu peux apprécier la parole? Est-ce que tu peux vraiment apprécier la parole? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Waouh, on passe vraiment des temps merveilleux. Merci apôtre Dadier. Et je sais que c'est pas fini, Dieu va encore nous faire du bien. Alors nous allons prier et nous allons faire une courte pause de 30 minutes. Nous allons vraiment faire cette courte pause de 30 minutes et après nous allons reprendre où nous allons encore écouter la parole. Nous allons passer des moments d'adoration avec les chants qui sont là. Vraiment, je nous prie, il y a des boissons, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se rafraîchir et on revient dans 30 minutes. Nous allons prier pour clôturer cette session et nous reprenons dans 30 minutes. Père de gloire, nous voulons encore te bénir, t'exalter, t'honorer. Merci pour la manifestation de ton ciel ouvert. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que nous croyons que nous avons été équipés. Nous croyons que, Seigneur, tu as renouvelé encore les grâces. Nous croyons que tu as guéri, que tu as transformé. Et nous savons que tu vas encore continuer dans la session qui va suivre. Seigneur, que dans ce temps de pause, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous soyons concentrés, que nous demeurons dans une attitude assoiffée de ta présence encore, Père. Nous te glorifions, nous t'honorons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Donc 30 minutes de pause et on se retrouve pour la session de tout à l'heure.